Composée de différentes unités des forces armées d'Haïti, est formée devant vous, en indiscipliné, prêt à écouter votre important message. Les membres du gouvernement. Pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats, dans ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où la loi et assurer la sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail ça yo, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police pas multiplier opération contre gang yo, situation t'a pas fini net. La situation dépassée niveau sécurité publique pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre la police administrative avec la police judiciaire pas formée pour faire face à problème de sécurité nationale. Unité spécialisée qui dans la police là pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est pas des affaires. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits qui ont toute qualité de gros âmes, fond de foi et qui déclarent peu haïtien la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique, c'est un problème de sécurité nationale. Ici, tant coup l'autre bord de l'eau. Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans mineurs qui voient instructeurs, qui ont bon genre de formation sous place, ou qui recevra plusieurs centaines d'ambios dans la base de la CAIO pour entraîner. Nous fiers aujourd'hui pour nous voir quelques-uns dans un bel uniforme aligné devant nous. Que la situation, que la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs. Il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple, celle qui a créé notre pays. Il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés. Liberté de circuler. Liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats qu'en ces temps
où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où les terminaient le destin. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient, même si Haïti vit depuis un certain temps une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti. Une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia, nous besoin tous force sécurité nous. Nous besoin détermination qui déhabite l'armée indigène. Nous besoin mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée. Énergie l'armée à collaboration yon peuple haïtien uni pour nous mettre fin à actes criminels qu'a fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut bagay ça fini. Moi vinn di aujourd'hui peuple haïtien c'est pour nous compter sous force l'ordre. Moi vinn di nous le pays a besoin de nous toutes. Moi, je viens de dire, il fait noir depuis trop longtemps. Parole là, parle de tous côtés, dans tout département. Tout partout sur la terre, fâché avec l'histoire. C'est vrai, il est passé déjà comme expérience pour nous faire plus bien. Pour nous faire tout ça qui est possible pour gagner un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands périls. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui de continuer à faire sacrifice pour nous joindre moyens pour nous équiper toute force sécurité nous yo puis bien. Ba yo ça yo besoin. Et mettez yo dans situation pour répondre le nous mandé yo. Marcher pour bandi, frapper toute gang qui déclare nous la guerre. L'union fait la force et nous nous à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. Haïti Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, nous venons aujourd'hui pour nous constater
que nous parer pour nous mener une bataille ça. Bataille contre l'insécurité. Nous venons joindre nous pour nous travailler la main dans la main à force policière dans la bataille contre l'insécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moi connais que nous parions, nous servir pays noir pendant la prospérité droit tout le monde. L'armée avec la police cristalliser l'espoir gros changement dans la question de sécurité, qui est la première préoccupation que les Haïtiens aujourd'hui. L'histoire passée, l'histoire récente, nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Quand nos partenaires et nos amis le pourront, ils nous viendront en support. Nous comptons encore sur eux. La tâche ne sera pas facile. Mais grâce à votre courage, votre engagement, votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police. Nous comptons sur l'armée. Nous comptons sur le support du peuple haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti.